Il a inspiré beaucoup de monde et surtout c'était un auteur-compositeur. De toute façon, tous ses titres étaient que des tubes. C'était que tube sur tube. Il a une voix phénoménale, il a une présence incroyable, d'une élégance dingue. Il avait tout pour lui. Il était toujours en fait d'une timidité, toujours gentleman. Ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'en 2011, quand il était dans le coma, il est rentré chez lui le jour de Noël. Il est sorti du coma juste avant, entre le jour de Noël, et voilà qu'on le replonge pour toujours, le jour de Noël. Moi, rien qu'à en parler, de toute façon, je suis encore sous le choc total, parce que c'était pas... J'attendais pas ça aujourd'hui. Je pensais qu'il allait revenir bientôt. Je sais pas comment expliquer, c'est tellement difficile. Là, j'espère bien me réveiller demain en me disant que c'était un cauchemar, croyez-moi.